Bonjour, bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Je bénis encore pour ce moment. Que le Seigneur soit glorifié, que le Seigneur soit béni. C'est ce que nous sommes là. Nous sommes nombreux avec 1 minute pour le Seigneur pour écouter encore la parole de Dieu. La Bible déclare, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Aujourd'hui, nous allons parler dans le livre de Luc sans plus tarder. Je bénis le Seigneur pour ce moment. Parle-nous, Papa, que ta parole éternelle, Yahweh, puisse se manifester, que le Saint-Esprit puisse agir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Luc, chapitre 15. On va étudier cette histoire des deux fils, les pères, un père qui avait deux fils. Mais bien aimé dans le Seigneur, nous allons essayer un peu de voir quelque chose qui est très important aussi dans cette histoire, dans ces versets. Je vais lire Luc chapitre 15, verset 11, et je vais me limiter au 18e. Je lis la parole de Dieu. Il dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de mes biens qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à trouver dans les besoins. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouches que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il s'est dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, je péchais contre le ciel et contre toi, et je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un des tes mercenaires. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, cette histoire de cet enfant. La Bible nous montre, nous parle de cet enfant qui avait vu que pour lui, c'était déjà possible. Cet enfant, il avait demandé ses biens, il a demandé sa part à son père. Il a trouvé que pour lui, il était déjà bon, il était déjà mature. Cet enfant a trouvé que lui, il était déjà capable de quitter la maison de son père. Il était déjà capable d'aller faire sa vie ailleurs. Et l'enfant a demandé à son père. Le père n'avait pas refusé. Le père a donné à son enfant sa part. Il a donné à l'enfant. Et la Bible dit, l'enfant est parti. Pendant que l'enfant était parti, il a tout lapidé avec la débauche. Il a tout détruit. Il a fait tout fini, tout ce qu'il possédait. Et un jour, la famine était rentrée, l'enfant commençait à souffrir. Il avait commencé à manger des choses impossibles. Lui qui était bien, il avait commencé à faire des choses qu'il ne faisait même pas avant. Mais ce qui nous a touchés, ce que Dieu nous parle aujourd'hui, ce matin, ce soir, la Bible dit dans le 17e, étant rentré en lui-même, il s'est dit, la Bible dit cet enfant, il a remarqué quelque chose qui n'était pas bien. La Bible dit, cet enfant, malgré qu'il avait pris sa part, et lorsqu'il a lapidé, lorsqu'il a tout détruit, il a fait un rétro en lui-même. La Bible dit, cet enfant, il a cherché à examiner. Cet enfant n'avait condamné personne. Cet enfant n'avait regardé personne. Cet enfant n'avait cherché personne. La première des choses, lorsqu'il a remarqué que c'était fini, lorsqu'il a remarqué qu'il commençait à souffrir, frère, lorsqu'il a remarqué les choses n'allaient pas bien, lorsqu'il a remarqué qu'il a perdu tous ses biens, la Bible dit, il étant rentré en lui-même, il a fait l'examen de lui-même. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des moments dans la vie, tu dois chercher à faire les examens toi-même. Tu dois chercher à t'examiner à cause des choses qui se passent. Tu dois chercher, bien-aimé. Bien-aimé dans le Seigneur, nous ne devons pas toujours chercher à regarder les autres. Bien-aimé, il y a des moments,
Nous devons chercher à nous regarder nous-mêmes. De comment tu es en train de conduire ta vie. Bien, mais aujourd'hui, beaucoup de gens acquisent toujours les autres. Oh, les liens de la famille. Oh, beaucoup de choses. Mais nous devons savoir, la Bible déclare, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Nous devons savoir des choses. Ce que tu es en train de semer, tu dois te regarder. Ce que tu es en train de faire. Aujourd'hui, ton mariage a des problèmes sérieux. Aujourd'hui, ta finance a des problèmes sérieux. Avant de regarder les autres, commencer à te regarder toi-même. Comment tu as conduit ta vie? Comment tu as dirigé ton mariage? Bien, mais regarde-toi. Regarde ta façon de se conduire à l'église. Regarde la façon que tu es en train de diriger le peuple de Dieu, homme de Dieu. Regarde la façon dont tu es en train d'utiliser ton argent. Bien, mais souvent les gens, beaucoup de gens à la fin de l'année, oh, l'année prochaine sera une année de bénédiction. Mais à la fin de compte, les choses ne changent pas. À la fin de compte, beaucoup sont dans des retraites, des gens de 21, de 40 jours, en train de chasser les démons, combattre les diables. Avant de combattre celui qui est dehors, tu dois chercher à combattre celui qui est dedans de toi. Alléluia. Bien aimé, beaucoup de gens aujourd'hui souffrent. Beaucoup de gens ont des problèmes. Oh, la tente, non. Il y a des moments, ce n'est pas nos tentes. Tu dois chercher à rentrer à toi-même. Tu dois chercher à regarder comment tu as conduit. Tu avais l'argent. Tu avais beaucoup de choses. Pourquoi tu as perdu ton mariage? Tu as perdu tes biens. Pourquoi? Tu dois te poser des questions. La Bible dit, cet enfant s'est posé des questions. Cet enfant a fait des examens. Cet enfant a regardé lui-même. Il n'a pas accusé son père. Parce que son père lui avait déjà donné. L'enfant a vu qu'il était capable. Or, il n'était pas capable. Beaucoup de gens, des enfants aujourd'hui, veulent quitter la maison parentale pendant que tu n'es pas encore bien enseigné. Beaucoup de gens aujourd'hui, nous voyons des mariages cassés. Nous voyons des mariages brisés, des mariages problématiques. Parce que l'homme ou la femme n'était pas bien préparé. Il s'est précipité d'aller se marier. Il s'est précipité à cause de Facebook. Il s'est précipité parce que tel aussi s'est marié. Il s'est précipité parce que tel aussi a une fiancée. Lui aussi, il veut faire des choses par rapport aux gens. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois faire des choses par rapport à toi. Tu dois faire des choses par rapport à Dieu et toi. De la manière où Dieu est en train de te conduire. Mais ne suivez pas les gens. Alléluia. Ne regardez pas toujours les autres. Bien-aimé, tu dois te regarder. Avant d'accuser les autres, regarde-toi toi-même. Tu es dans ton mariage. Pourquoi tu as perdu ton mariage? Bien, mais regarde, à cause de ton impolitesse, ta façon de répondre, tu ne veux pas bien aimer servir ton mari. Tu ne veux pas obéir à l'église. Bien aimé dans le Seigneur, nous devons faire nos examens. Alléluia. Tu dois chercher à t'examiner. La Bible dit, l'enfant était rentré en lui-même. Il n'a pas accusé son père. Il n'a accusé personne. La Bible a dit, il a eu la conscience. Bien, mais tu dois te conscientiser. Pour les années qui viennent, tu dois te conscientiser. Jusqu'à quand tu vas commencer à boire de l'alcool? Jusqu'à quand tu vas marcher avec cette double vie? Jusqu'à quand, ma sœur, tu feras des choses par rapport aux autres? Jusqu'à quand tu seras toujours orgueilleux? Jusqu'à quand tu vas chercher les maris des femmes et d'autrui? Jusqu'à quand, ma sœur? Mon frère, la Bible dit que cet enfant avait perdu à cause de la débauche. Oh, la Bible déclare qu'on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, c'est ce qui le moissonnera. Cet enfant, il s'appart. Il est parti semer dans la débauche. Je l'aime dans le Seigneur. Qu'est-ce que tu es en train de semer dans ton couple? Tu es en train de semer quoi? Oh, ma sœur, ne dis pas c'est la tante. Ne dis pas c'est les gens de dehors. Mais c'est toi-même. Parce que la Bible dit, ne donnez pas l'accès au diable. Aussi longtemps tu ouvres les portes, le diable peut entrer. Aussi longtemps tu ouvres des fenêtres, le diable peut faire de mauvaises choses dans ta vie. Alléluia. Tu dois fermer tes portes, ma sœur, mon frère. Il y a des choses que tu dois abandonner. Il y a des choses que tu dois changer. Ta façon, bien-aimé dans le Seigneur, de répondre à ton mari.
Bien, mais ta façon de te conduire, toi, une femme mariée, mais toi aussi qui prie beaucoup, tu parles la langue souvent, mais tu as des comportements bizarres. On ne peut même pas te distinguer avec des païens. On ne peut pas dire que tu es un enfant de Dieu. Toi aussi, serviteur, regarde la façon dont tu es en train de servir Dieu. Regarde la façon dont tu es en train de te conduire. Bien, mais c'est une façon qui n'est pas bien aux yeux de l'Éternel. Tu dois chercher à changer. Alléluia. Tu dois chercher à changer. Regarde ta façon d'utiliser ton argent. Toi, dès que tu as seulement l'argent, tu vas commencer à acheter par-ci, par-là. C'est pourquoi tu es en train de tomber toujours avec des crédits de dette inutiles. L'enfant avait tout perdu. Mais le jour où il a la conscience de rentrer à lui-même, l'enfant s'est conscientisé. Il a dit non, trop c'est trop, ça doit finir, trop c'est trop, ça doit s'arrêter. Cette hémorragie de la maladie, cette hémorragie que moi-même j'ai cherché, parce que c'est lui-même qui a cherché sa propre destruction. Aujourd'hui, beaucoup, et même cherchent leurs problèmes dans leur couple. Tu es dans ton couple. Oh, pasteur, maman pasteur, ma sœur, toi, tu viens de te marier. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, tu veux le mariage, mais toi, tu n'aimes pas de belles familles. Comment tu vas te marier? Et comment tu seras bien dans ta maison? Alléluia. Avant, tu étais la fiancée. Tu as pris des photos sur Facebook. Tout le monde regardait. Mais il y a seulement des jours, tout le monde parle de toi. Mais tu es tenté de dire, les gens veulent de ma vie. Les gens veulent toujours s'occuper de moi. Parce que tu as tort. Tu t'es marié combien de fois? Peut-être que ce n'était pas ton souhait. Mais bien, mais il faut regarder les choses. Il faut aussi retourner en arrière pour te regarder toi-même. Peut-être c'est ton comportement, peut-être c'est tes habitudes, peut-être ce n'est pas les sorciers, peut-être ce n'est pas ton oncle, peut-être ce n'est pas ta tante, parce que tu es mal poli, tu réponds mal à ton mari, parce que tu es un escroc. Toi, quand tu viens toujours, il y a des problèmes. Si tu viens dans la maison de ton frère, lorsque tu vas partir, tu vas laisser les troubles et les problèmes. Si tu viens seulement dans la maison de ta sœur, ton départ sera la catastrophe. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois chercher à songer. Ne regardez toujours pas les sorciers ailleurs, mais toi-même, conscientise-toi d'abandonner les mauvaises habitudes. Tu es enorgueillé. C'est pourquoi tu as toujours des problèmes avec les gens. Tes relations avec les gens. Toi, tu es toujours quelqu'un qui aime l'argent. Toi, tu es toujours quelqu'un qui fait des relations à cause d'argent. C'est pourquoi tout le monde t'abandonne. Oh, tu parles mal aux gens. Regarde dans les matangas, dans les vœux mortuaires. C'est toi seulement qui rencontre des mauvaises choses. C'est toi qui critiques des gens. C'est toi qui condamne des gens. C'est toi qui détruis des gens. C'est pourquoi ta vie a toujours des problèmes. Regarde-toi toi-même, ma sœur, mon frère. Bien-aimé, regarde-toi. Tu ne vas pas dire encore, les sorciers m'ont bloqué. Non, regarde ta façon. Tu es en train de faire des avortements par-ci, par-là. Demain, ça peut te causer beaucoup de problèmes. Tu es en train de t'avorter tout le temps. Mais tu es en train d'avoir des changements des hommes comme des soutiens. C'est pourquoi ta réputation sera détruite. Les gens vont te qualifier d'une prostituée. Et lorsque les gens vont dire, tu vas t'énerver. Tu vas dire, l'Éternel combattra pour moi. Non, l'Éternel ne combattra pas pour toi. Parce que tu dois payer ce que tu es en train de faire. Bien-aimé dans le Seigneur, l'enfant étant rentré en lui-même, il a regardé maintenant son intérieur. Il a regardé tout ce qu'il a fait. Il a regardé les erreurs. Il a regardé les précipitations. Il a regardé l'immaturité. Il a regardé beaucoup de choses. Bien, mais la nuit porte conseil. Tu dois réfléchir. La Bible déclare, dans le malheur, il faut réfléchir. Bien, mais cet enfant a réfléchi beaucoup pour sa vie. Ma sœur, est-ce que tu réfléchis pour ta vie? Mon frère, tu es en train de réfléchir. Tu as changé combien de femmes? Tu as changé combien de noms? Est-ce que tu es en train de réfléchir? Regarde comment tu as changé de travail. Parce que tu as toujours des problèmes avec tes collègues. Toi, tu es toujours là, les gens m'aiment pas. Non, les gens t'aiment, mais c'est tes comportements qui font que les gens ne t'aiment pas. C'est tes comportements qui causent des problèmes. Tu dois chercher à changer tes comportements.
Tu dois chercher à changer tes habitudes pour que l'année prochaine soit une année de succès. Pour que l'année prochaine, tu vives une vie de gloire. Et si tu ne vis pas, parce que toi-même, la Bible dit la main de l'Éternel n'est pas ton cou dans Esaïe. Mais ce sont vos crimes qui vous séparent avec Dieu. Frère, tu es fiancé combien de fois? Sœur, regarde tes comportements. Si ton mari est parti, c'est à cause de tes comportements. Ce n'est pas parce que les sorciers étaient là. Ce n'est pas parce que les magiciens étaient là. Ce n'est pas ses comportements. L'homme a décidé de partir. Tu es là toujours, papa. Tu peux partir. Toi-même, si les gens sont là, tu ne réfléchis pas. Tu vas commencer à dire des choses horribles. Même si les gens sont là, bien, mais tu n'as pas de tempérance. Oh, la Bible dit, l'esprit qu'on a reçu, c'est l'esprit de sagesse. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas parler n'importe quoi. Tu es en train d'humilier ton mari. À chaque fois, tu humilies ta femme devant les gens, devant le monde, bien-aimé. Oh, il y a des choses, quand ça arrive, il faut que c'est accepté. Alléluia. Regarde comment tu as blessé la fille d'autrui. Regarde comment tu as blessé l'homme d'autrui. Ma sœur, qu'est-ce que tu es en train de faire? Rentre en toi-même. Tu vas commencer d'abord à détruire cet esprit qui est en toi. Avant d'aller chercher chez les voisins. Avant d'aller regarder d'abord les voisins. Toi-même, tu dois te préparer. Tu dois fermer les portes. Tu dois changer. Tu dois maintenant fermer tous les accès qui attirent les diables. Tous les accès qui attirent les mauvais comportements en toi. Afin d'amener la destruction dans ta vie. La Bible déclare que les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruit ta vie. Mais Christ est venu afin que nous ayons cette vie en abondance. Ma sœur, regarde-toi, retourne-toi. Bien, mais regarde, conscientise-toi, ma sœur, jusqu'à quand tu vas continuer à boire de l'alcool. Après, tu vas dire, je ne fais rien en Europe. Je fais 15 ans, ma vie ne change pas. Regarde ta façon de diriger même ta finance. Tu es en train de lapider ton argent dans des boîtes de nuit, dans des nganda. Tu es en train de lapider ton argent à cause de mauvais choses. Toi, tu vois quelque chose, tu achètes. Tout ce que tu vois, tu achètes. Bien aimé dans le Seigneur, il est temps maintenant. Oh, il est temps. Rentre en toi-même. Je veux prier pour quelqu'un afin que le Saint-Esprit te soutienne. Notre Père qui est aux cieux, je prie pour ma sœur et mon frère, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, pardonne ses péchés. Et je commande maintenant à tout esprit du diable qui combat ma sœur et mon frère de quitter, libérer au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, soutiens ma sœur. Saint-Esprit, dirige mon frère au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Mbote bande ko balandi a Partol TV na komo na yeso zangai mama ibo kadito pesa na mayele ya solo na lingai ko pesa mwa maloba moke pamba teza na baninga na biso mususu bazako luka vraiment o balingi ko benga par telefone ma solo makambo ezali ebele moye ezali te ya solo to zwindingi sa mususu e ko sala malamu ko benga na numero oyo ezali afiché ya Partol. Ce qui est na likambo na yo o lingi koleka sur place eza malamu mama eza malamu papa o bengi o pesi li solo na yo biso to ko pesa yo date moto ko zo na telephone ya ko pesa yo date mukolo ya date wana nde ce qui toza to ko benga yo avant 1h comme ça to zo yo en direct o pesa li solo na ona komo na yesu to zangi pete ko senga yo nde ko yaka o monyo za capable ya yo moko ya kobima. Tozangi pete ya kosenga yo ndeko oyo ozana lisolo olingi opesa direct benga kaka na meme numero pesa lisolo nde tokoloba liloba na yo lisolo na yo ekosunga pe baningo baza na kalo kwa yo na kombo na Yesu. Happybox TV. Happybox TV, c'est le bouquet pour regarder Pactol TV. Dans la rubrique Religion au numéro 358, achetez les décodeurs Happybox TV sur www.happyboxtv ou chez Pactol TV. Sans aucune configuration préalable, la Happybox TV s'adapte à votre connexion Internet partout dans le monde.
Happy Box TV, c'est la télévision autrement. Pactol TV, votre chaîne chrétienne incontournable du moment, mais surtout celle de la différence et de l'excellence, est présente dans les bouquets Happy Box TV et Orao Télécom. 100 euros pour l'achat du décodeur et 12 euros seulement par mois pour regarder plus de 140 chaînes africaines et religieuses, Canal+, Bein Sport et Pactol TV. Ne tardez plus, achetez ou commandez votre décodeur Happy Box TV pour regarder la télé autrement. Happy Box TV. Du nouveau dans la ville de Bandundu, les majestiques hôtels Bandundu. Situé dans les centres-villes de Bandundu, dans la province de Kwilu, en République démocratique du Congo, l'établissement Majestic Hotel Bandundu propose des chambres et des suites indépendantes. Une salle polyvalente de 100 places et une salle de sport. Connexion internet gratuite dans l'hôtel, plusieurs chaînes télé dans toutes les chambres, luxueusement décorées dans un style élégant. Au Majestic Hotel Bandundu, des mets locaux et internationaux vous sont concoctés par un chef étoilé. Classé 4 étoiles, le Majestic Hotel Bandundu est doté de toutes les commodités. La belle terrasse du Majestic Hotel Bandundu sera un endroit idéal pour vous pour prendre votre petit déjeuner ou simplement pour vous détendre après une journée passée à travailler ou à visiter la ville de Bandundu et les sites touristiques locaux. Le Majestic Hotel Bandundu est aussi une offre de rêve pour les natifs de cette ville. Bana Bandundu, Banningville, Benkwen, Benukwen na bwala ku tala babuti to ku sala makambo. Kisika ya kulala memonana. Pour vos réservations, faites les plus 243 852 902 232 ou les plus 243 828 872 275. Le Majestic Hôtel Bandundu est situé sur l'avenue de l'ingénieur Moutima Sakrini, ex-avenue Kassai, dans la commune de Bassoko, au centre-ville de Bandundu. Le Majestic Hôtel Bandundu, c'est le meilleur du coin, le meilleur de la ville, le meilleur de la province. À très bientôt chez nous. Boleka na Pactol TV, poete totombola lisusu, Yesu oyo abenga biso. Ne zappez pas, ne change pas la télé, c'est Pactol TV. Je vous invite, que Dieu vous bénisse.